Nous sommes dans un hôtel, ce qui était anciennement un hôtel parce que là il n'y a absolument plus rien. Alors il y a des légendes sur cette maison. Et apparemment cet hôtel serait hanté. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait cette légende? Déjà d'une part, ils auraient retrouvé un charnier de la Seconde Guerre mondiale à proximité de l'hôtel. Alors, je sais pas exactement où. Et en fait, quand l'hôtel était en activité, il y avait la fille des propriétaires de l'hôtel qui est morte d'une sclérose en plaques. Et apparemment, selon les rumeurs locales, il y aurait toujours le fantôme de la jeune fille qui apparaîtrait au dernier étage à une fenêtre. Et toujours selon les rumeurs locales, il y aurait eu une secte satanique qui officiait ici il y a quelques années. Mais bon, on peut voir que il n'y a plus grand chose, il n'y a plus rien même. Mis à part la structure, beaucoup de graffiti. Là on est au rez-de-chaussée, il n'y a plus rien. La vue était sympatoche. Très très joli grand graffiti. Il est classe le crâne. Ils sont là. Là, il y a un beau graffiti aussi. Bon, le mec, il aime les têtes de mort. Hein. Petit caca. Thank you.
On va faire la visite rapide, hein, parce que... Mis à part les graphes. En fait, l'intérêt, ce serait de venir la nuit, là, si vraiment on croit aux esprits et à toutes ces choses. Il faudrait venir de nuit et essayer de voir, quoi. Moi, je dis pourquoi pas. Vous avez vu, hein, c'est juste à côté d'une route, très facilement accessible. Donc c'est pour ça que bah, tout est en friche, hein. Absolument plus rien, plus rien. Putain, les escaliers là. Ah, là, là le fantôme. Ah, elle est jolie cette pièce. Enfin, joli. Joli dessin encore. Tout fait là? Ouais, c'est vrai, c'est du sang. Non, ce n'est que de la peinture. Ouais. Ah ouais. Ah, il y a un incendie là. Tout qui s'est cassé la gueule. Putain, c'est marrant les fougères qui poussent dans le bac à douche. Ouais, le toit il est un peu. Un peu capoute. Super froid, putain, je me caille le cul. Marrant, ça. Ouais, bah voilà, hein, petite visite vite fait. On a profité d'être dans le coin pour la faire. Mais bon, c'est pas un grand moment d'urbex, quoi. Par contre, revenir pour vérifier la thèse du fantôme pourrait être intéressante. Qui sait? Ah, le Ouija, ouais.
Enfin, Ouija ou pas au mur, ça va pas être évident quand même. Satan. C'est Satan. C'est pas Satan, c'est Zatan. C'est Zatan. C'est comme Zlatan, c'est Zatan. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir d'Ante. Bon, ben voilà, hein. Allez. Ouais. Il y en a, ils assurent. Ouais. Ouais. Ouais, il y a de beaux dessins. Hein. Et là, sur la vidéo, on voit là le fantôme, tu sais.